مرحبا بكم في هذه الحصه الجديده، حصه خاصه نتطرق فيها الى احداث شعبيه احداث 11 ديسمبر 1960. اليوم 22 ديسمبر 2022 نحاول نفهم ما حدث في هذا اليوم العظيم مع السيد صادق سلام، مرحبا. اهلا وسهلا. merci beaucoup, mon ami Hotman. Content de revoir mon ami Saint Ursulat. Moi aussi. Merci à toi, Ammar. Donc, nous allons aujourd'hui faire tenter de comprendre ce qui s'est joué dans, dans une journée très très importante pour l'histoire de la Révolution algérienne, celle du 11 décembre 1960 les événements de 1960 qui ont été un tournant, selon beaucoup d'historiens, euh, de la Révolution. Donc nous, essayons, nous allons essayer de comprendre pourquoi 1960, quel a été ce tournant et quelle a été la conséquence euh, de cette journée, euh, quels ont été aussi les acteurs euh, d'une journée qui euh, a marqué euh, l'histoire de l'Algérie et peut-être qui euh, aujourd'hui n'est pas suffisamment mise en, en évidence par rapport à une évolution, une révolution qui a été glorieuse, qui a eu énormément euh, d'étapes, et euh, c'est une des étapes majeures euh, de, 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 de la révolution de novembre. Euh, alors je, je vais commencer, euh, Mahak Cissadak, euh, avant d'arriver à 1960, euh, ça a été, euh, la révolution algérienne a été euh, une construction d'un mouvement national, et dans cette construction de mouvement national, euh, il y a eu plusieurs étapes où... Euh, les nationalistes se sont posés la question de, des moyens d'action et, et des moyens d'arriver à cette indépendance tout souhaitée par plusieurs générations qui a réussi à concrétiser euh, d'une certaine manière la génération de novembre. Euh, notamment, enfin, je, je pose la question sur justement cette journée de, de 1960 parce qu'en fait, elle tombe en décembre. Euh, décembre est euh, historiquement... Euh, depuis au moins 1947, euh, historiquement, périodiquement, un moment important de l'histoire de l'Algérie. Nous nous souvenons de, du rapport de Hazem euh, présenté à l'ONU en 1947, nous nous souvenons de euh, ce qui s'en est suivi, hein, avec ce qu'on dit, la, la, la crise dite berbériste nous nous souvenons aussi euh, de ce qui s'est joué. Euh, en 1953, ce qui s'est joué au moment où justement la question algérienne était euh, voulait être déposée à l'ONU. Ce qui s'est joué aussi en 54, où la question algérienne a été déposée mais refusée par l'ONU. Euh, voilà pourquoi décembre et, et comment vous analysez justement décembre 1960. D'abord, il faut remonter euh, au soulagement euh, plus au relatif des Français après le 1er novembre. Ils ont dit. Il n'y a pas eu d'insurrection populaire. Ils ont continué à croire et à faire croire que c'est un mouvement isolé et que le, le peuple n'a pas suivi. D'où le, les moyens donnés à ce qui sera le cinquième bureau d'action psychologique qui se proposait de faire basculer la population du bon côté, le leur. Et, et donc, le 11 décembre, c'est le démenti à toutes ces supputations et on a appelé ça le 13 mai des musulmans, le, le 11 décembre. Le, le 13 mai, c'est à contrario, dans l'autre sens, c'est la, le triomphe de l'Algérie française, avec le, le forum rempli par les peignoirs apolitiques. À, à Alors, le fait que ce soit en décembre, c'est un, un hasard, en fait, parce qu'on on a essayé de relier ça à la session de l'ONU, qui a eu lieu juste après et qui a permis à Krim d'avoir un grand succès puisqu'il a été reçu par Khrouchtchev ostensiblement, à New York. Euh, mais la diplomatie très habile du GPRA a vraiment exploité à fond les manifestations de, de décembre. La, la session d'intervention de Krim a eu lieu quelques jours après. Non, c'est lié à, à la dernière tournée de, de, du général de Gaulle euh, en Algérie. Alors, le général de Gaulle venait de l'Ouest ils voulaient euh, venir en voiture découverte, euh, serrer la main des paysans, de, etc. Or, à Temouchent, il y a eu des manifestations euh, avec le cri Algérie algérienne. C'est ce que voulait de Gaulle. Et là, il faut, il faut tout un livre sur l'année 1960. Le, il y a beaucoup de tournants dans la guerre d'Algérie. On a eu un livre sur 62 très intéressant, mais qui élargit le problème au corps, à l'espace, etc. On a besoin d'un livre sur la situation politico-militaire en 60, qui a été l'année des grands espoirs de paix, mais suivi d'une grande désespérance. Désespérance, c'est le mot de Roger Maurice, le négociateur euh, à Melun, avec Boumencel. Il a dit, on est tombé dans la désespérance totale, et c'est ce qui a amené De Gaulle à, à présenter sa démission. Après l'échec de la négociation avec la Wilaya sur laquelle il a beaucoup misé, et l'échec de Melun, qui était la conséquence, en fait. Les gens croyaient, les gens, jusqu'à maintenant, ne relient pas Melun et l'affaire Sissala. Alors que de Gaulle ne pouvait pas prendre au sérieux deux avocats qui n'étaient même pas ministres, alors qu'il attendait la, la signature par toutes les Wilayas de l'accord de cesser le feu conclu à l'Élysée avec les chefs de la CAT. De Gaulle a beaucoup cru, mais quand il a vu que rien ne venait, et, et il a voulu démissionner. Et Michel Debré lui a dit mon général, si vous démissionnez, ça va être la guerre civile. Et De Gaulle avait des moments de dépression. Au retour de Colombey, il lui a dit bon, je continue. Mais le 4 novembre, c'est au tour de Michel Debré de présenter sa démission. Quand le général a parlé de République algérienne, il a, il a, il a voulu démissionner, il était complètement. Et, et du côté algérien, c'est la même chose. C'était le, le, vraiment la. Euh, qui était un homme, il ne l'a pas dit à moi, mais il l'a dit à un de ses proches, il lui a dit bah, pendant euh, cette période-là, où tout a échoué, euh, nous avons eu le syndrome des républicains espagnols. Parce qu'ils croyaient vaincre Franco, rentrer, mais quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas l'emporter chez Franco, ils se sont mis à se faire recruter, magasinier, dans les grandes surfaces, etc. Et Bahada a dit, nous, nous avions pris des contacts pour accéder à la propriété, acheter des, 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 dans l'immobilier au Caire, à Beyrouth, pour ne plus rentrer. Et voilà la divine surprise, c'est le, le, le peuple d'Alger qui sort, mais avec des slogans tout, tout à fait euh, que, que le GPRA n'aurait jamais donné. Le, le premier, c'est Algérie musulmane. C'est pour ça que le rapport de Boularouf que j'ai mis dans mon livre, c'est lui qui parle d'insurrection musulmane. Il est dans les documents annexes. Et euh, pourquoi Parce que les gaullistes de la, de la délégation générale, à leur tête, François Coulet, qui était l'homme de confiance du général de Gaulle, qui, qui l'a mis pour surveiller euh, Paul de Louvrier, qui commençait à prendre des ailes. Il se sentait une âme de Zahim. Parce qu'à Paris, il dit Moi, je connais l'Algérie mieux que vous, etc. Et Coulet était là pour le cadrer. Et euh, le, les services de Coulet, euh, bon, on appelait ça. Euh, de l'ouvrier avait un conseiller politique qu'il avait bien choisi. Après, De Gaulle lui a dit Coulet va s'occuper des affaires politiques. Il dit Mais j'ai un. Non, 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 c'est très important. Et c'est Coulet qui préparait les, des manifestations à Alger comme celle de Temouchent. Et alors, il a, il a passé l'étape d'Orléansville, on, on a dit que les ultras préparaient son assassinat. Il arrive à Alger et il est surpris euh, par cette foule qui sort. Et il faut, il faut se souvenir qu'il n'y avait pas d'organisation ni du FLN ni de la LN Alger depuis pratiquement la, la fin de la bataille d'Alger. Là où il a essayé, et c'est ce qui a donné des possibilités à léger, d'infiltrer là où il a 3, quand elle a voulu mettre son grain de sel à Alger. Euh, là où il a 4, euh, regardez ça de très loin, mais il y a eu une restructuration euh, où, la où il a 4 a créé une zone 6, une nouvelle zone, elle n'en avait que 5, où Alger faisait partie de la zone 6, c'est l'ouest partie de la Métidja et le Sahel, plus Alger. On y reviendra. Voilà. Mais il y a le côté, ce qui nous intéresse jusqu'à maintenant, par analogie, c'est l'intervention de gens apolitiques qui étaient très éloignés, beaucoup d'adolescents, qui euh, acceptent d'aller porter le drapeau algérien. Or, le drapeau al algérien, il avait sur l'armée française le même effet que le chiffon rouge sur le taureau. Le 1er mai 1945 à Alger, on a fait trois morts à cause du drapeau. À Sétif, à cause du drapeau, il y a eu les carnages, et l'armée française a tiré quand il y a eu le drapeau. Merci, Sissadar, pour justement la, la mise en lumière du contexte de, des manifestations du, 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 du 11 décembre 1960. Euh, Séamar, euh, justement, euh, on parle de, de la volonté de De Gaulle de, euh, de passer un cap, hein, euh, ce, que, ce que décrivait Sissadar, de, de forcer, euh, je, je dirais, le. L'establishment Le, français politique a accepté l'indépendance, de passer un cap avec ce slogan d'Algérie algérienne euh, à Intimushent euh, et euh, la difficulté de ce qu'il y a eu vis-à-vis euh, -vis de ce qui a été initié par la Wilaya Kat et Sisala, qui hein, certains disent euh, avaient contesté aussi l'autorité du GPRA euh, et, et allaient négocier directement a été reçu par De Gaulle, certains disent avec l'assentiment de De Gaulle, d'autres disent que c'était organisé par certains acteurs des services français qui ont fait croire à De Gaulle que c'était une solution. Enfin bon, il y a beaucoup à écrire sur l'affaire Cissalaire qui n'est pas suffisamment connue. Comment vous analysez justement ce contexte qui a amené les Algériens à sortir massivement pour donner aussi leur souhait vis-à-vis -vis de cette révolution Euh, merci, Syntac, de, de dire, pas seulement pour l'année 60, mais pour la première année de, de la Révolution, pour la deuxième année, pour la troisième année, il faut des thèses, il faut des livres, parce que là, euh, on connaît si peu cette histoire. Heureusement qu'il y a quelques historiens euh, qui, qui s'y intéressent et qui essaient un petit peu de... de de nous apporter des éclairages. Euh, Sadr Salam a parlé d'insurrection populaire, il a parlé d'Algérie algérienne et d'Algérie musulmane, et il a parlé aussi de De Gaulle entre autres. Donc on voit bien que nous sommes donc dans un moment qui va cristalliser beaucoup de choses. De Gaulle est au centre de cette histoire, et l'autre grand acteur c'est le peuple algérien. Parce que là, on a un retournement de situation, on a le retour de, peut-être pas le retour, mais le fait que des villes vont s'insurger à Oran, à, à Alger. Donc, il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire, euh, on pensait que les villes étaient mortes, et notamment Alger, dû à la répression de l'année 57. Mais 60 est un démenti à, ce, à cette vision. Pourquoi? Parce que de Gaulle, quand il arrive, en bon militaire, en bon politique et militaire aussi, il a une stratégie. Il a une stratégie militaire, classique, châle, le comment on appelle ça, le rouleau compresseur, l'opération châle très dur, très très dur. Sadr Sélam connaît très bien euh, euh, les dirigeants de la Ulae 4, et moi aussi, Tout ce que j'ai interviewé, je parle des colonels de l'AILEN ou des commandants de l'AILEN, m'ont dit que Chal nous a fait beaucoup de mal. Chal, Charles, Charles, euh, l'opération Chal. Donc, il y a le volet militaire, euh, le, le rouleau compresseur Chal de, de l'ouest à l'est. Deuxièmement, la consolidation des, des, des barrages. Il y a le, rôle, euh, le volet psychologique. Au départ, la paix des braves, et après, et qui plus 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 grave, plus important, l'affaire Cisala. L'affaire Cisala, c'est une politique ou une tentative de, de cesser le feu local. C'est ça l'idée. Donc, on voit bien qu'il y a une stratégie. Et bien sûr, le le volet économique, le plan de Constantine avec beaucoup d'avantages. Et enfin, le volet politique, c'est l'Algérie algérienne, l'Algérie de Gaulle. Et de Gaulle, en septembre 1959, on va parler d'autodétermination. Donc là, il prend ses distances avec euh, les tenants de l'Algérie française et aussi avec euh, l'Algérie FLN, avec les revendications d'indépendance pour créer euh, l'Algérie qui vote du bon côté, c'est-à-dire la troisième force, l'Algérie algérienne, l'Algérie goldienne. Et c'est dans ce contexte que lui va venir en Algérie avec un plan de, de tournée important. Et Sadak l'a bien dit, c'est-à-dire vraiment, on est dans la, une campagne. Il a fait toute la tournée, il n'a pas été ni à Alger ni à Oran parce qu'à Atmouchent et à Oran, ses services lui ont dit euh, faut faire attention, il y a un risque d'attentat. Donc euh, la, la tournée en Oranie va être… Bah, il va, ne va pas réussir, il ne va pas partir à Alger, mais, mais il, il, il va partir dans les autres villes, mais c'est un échec parce que à Alger, mais pas seulement à Alger, mais surtout à Alger, un nombre important d'Algériens, et là je rejoins Sadak, euh, Moi je dis toujours il nous faut une armée d'historiens parce qu'on aimerait bien, on aimerait bien savoir qui sont, comment. Dans quelles conditions cette foule immense va sortir avec des slogans, avec euh, un discours, par exemple Algérie musulmane, je ne sais pas si ça l'a déjà euh, lu ou entendu avant 60, c'est-à-dire comme slogan comme Algérie musulmane, donc c'était Algérie musulmane contre Algérie française et contre Algérie algérienne de Gaulienne. Hein qu'il ne faut pas confondre avec euh, notre euh, avec l'algérie algérienne des années des années 40. Donc on voit bien que nous sommes dans un moment de basculement qui va euh, déterminer ce qui va euh, aller ce qui va advenir après euh, ce projet de troisième force d'Algérie de Gaulienne, parce que je rappelle l'idée c'était l'indépendance de l'Algérie, d'où D'où la réaction de, euh, des activistes et des tenants de l'Algérie française. L'idée, c'est de faire euh, de l'Algérie comme euh, comme le Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme le Togo, c'est-à-dire des, 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 des pays indépendants, mais fondamentalement rattachés à la France. Merci beaucoup, Céamar. Bon, souvenons-nous que euh, les accords d'Evian... Et le référendum stipulait un peu ce petit annexe, cette petite annexe, c'est-à-dire dans l'amitié avec la France. Hein, donc, De Gaulle, dans les accords d'Évian, a gardé ce, ce, petit, euh, ce petit reliquat. Euh, mais oui, on ne vous entend plus là. Oui Non, mais les accords d'Évian, c'est autre chose. Oui, oui, euh, on, on en reparlera. On en reparlera. Pas, pas de soucis, bas ah, je, je comprends bien, mais c'était juste par rapport à cette petite parenthèse. Euh, justement. Moi, je repose la question si ça d'ailleurs, et vous me dites si c'est une piste intéressante euh, en termes d'analyse historique euh, et politique de ce qu'a été le contexte. De Gaulle avait, euh, à ce moment-là, compris que la bataille était, euh, ce que l'a bien souligné, c'est un euh, militaire, euh, politique, mais aussi diplomatique. Et euh, est-ce que finalement, dans sa tournée euh, qu'il avait engagée euh, à l'ouest du pays, N'était pas aussi en, en exergue, enfin, en, 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 justement, la question de euh, cette bataille diplomatique qui commençait à perdre euh, vis-à-vis d'acteurs qui, euh, sur euh, la guerre d'Algérie, étaient très actifs, et notamment à l'ONU, hein, puisque vous avez souligné que Kreml Kassem avait été reçu par Khrouchtchev en 1960, grand oui. succès, et puis l'arrivée de Kennedy, qui était un grand ami. De la révolution algérienne. Est-ce que finalement, De Gaulle, par son initiative, n'avait pas souhaité dire au monde euh, que l'Algérie était algérienne, mais comme disait ces Amar, algérienne gaulienne et ne voulait pas, à travers euh, ce que certains ont considéré, peut-être les Algériens ont considéré comme une provocation de trop, euh, dire euh, à l'international que euh, l'Algérie était encore sous la boîte française Les Algériens auraient réagi de ce point de vue-là. Et oui, c'est vrai pour le discours dont a parlé Mohamed Ahmed du, du 16 septembre 59, l'autodétermination. De Gaulle a, a donné le brouillon de son allocution au président Eisenhower qui visitait la France. Parce qu'il re, redoutait la condamnation de la France à la cession de l'ONU. Et ce discours euh, a amené les Américains à s'abstenir. S'abstenir, c'est déjà. Alors que, et surtout les Américains, ils ont une influence sur les, toutes les républiques latino-américaines. Ils leur donnent des consignes de vote. Ce n'était pas le, la voix d'un membre du Conseil de sécurité seulement. Et mais là où le, la formule algéri algérienne n'était pas destinée à la consommation extérieure, c'est qu'il l'a prononcée dans le huis clos de, le 5 mars 1968. De, lors de, de la précédente tournée des popotes, on l'appelait. Or, il l'a prononcé où À Septaziz, dans le sud-ouest de la Ouléakate. C'est une euh, caserne où il y avait beaucoup de harkis. Et la Ouléakate a introduit un commissaire politique euh, sectoral qui avait l'habitude d'habiller en harkis et qui a rendu compte, au conseil de la Ouléakate, de la manière dont De Gaulle parlait à son armée avec mépris. Ça veut dire c'est moi le chef. Alors que de, de, l'ALN et le GPRA ne prenaient pas au sérieux les offres de négociation de De Gaulle. Ils il lui disaient Vous n'êtes pas un maître à bord. C'est les, les généraux du 13 mai qui vous ont fait venir. Mais le temps qu'il utilisait à sept il voulait montrer c'est moi le maître à bord. Et il a prononcé Algérie, Algérie. Et ça, quand ce, ce sergent-chef local, dont on, est il est peut-être mort après, a rendu compte au Conseil de la Wilakat, la Wilakat avait un premier plan. La Wilakat avait deux plans. Il y a eu une réunion extraordinaire en janvier 1960, qui était la réplique directe, parce que ça a eu lieu, la chronologie est parfois éclairante, quand ils ont appris la nomination de boumedienne à la tête de l'état-major. Boumediene et Boussouf étaient, ils étaient en conflit avec eux, mais, mais secrets. Mais la promotion de Boumediene euh, a, a amené les chefs de la OUILA 4, dont certains avaient séjourné à Oujda en 57. C'est le cas de Cisala et Ils ont dit, il vaut mieux une solution qui n'est pas l'indépendance avec De Gaulle que d'être gouverné avec l'armée des frontières. Et là, je viens de voir le titre d'un article de Mohand Amr dans un hommage à Harbi, en PDF qu'on m'a envoyé, je suppose qu'il aborde cette affaire-là. Euh, le problème de la légitimité, du pouvoir, et. Je ne oui, sais oui. pas si le livre est sorti, mais j'ai reçu le PDF hier. Il est les Alger, le livre. Bon. Édition eh, Hibre. Exactement. Là, on me l'a envoyé de Constantin. Hmm. Alors, euh, le, là où il a un n'était pas. Euh, elle a été mise en difficulté, comme tout le monde, par l'opération Courroie du Planchal. Mais tous les rapports du deuxième bureau sont admiratifs de la rapidité du redressement de la Wilaya 4. Elle a retrouvé ses potentiels d'avant Courrois en deux mois. Et, et tous les rapports du deuxième bureau disent il y a deux Wilayas qui restent solides c'est la Wilaya 2 et la Wilaya 4. Même si la Wilaya 4 n'était pas aussi nombreuse que la Wilaya 2. Là où il a et deux avaient les mêmes que que où il a eu quatre vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais elle, elle franchissait pas le, le rubicon, elle restait dans la discipline. Or là où il a eu quatre avait toutes sortes de reproches depuis euh, que les, <coughs> le barrage était devenu étanche, il n'y avait plus de convois d'armement qui venaient. Là de, 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 de l'intérieur avait l'impression d'avoir été abandonné par les révolutionnaires de palace. Et donc et ce qui a vraiment fait déborder le la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la nomination de Boumedienne. Donc il décide de constituer une délégation de toute la LN pour aller à Tunis euh, dire il faut répondre aux offres de négociation de De Gaulle, parce que c'était ébruité dans les journaux, les contacts secrets de René Brouillet, de Hamrouge, euh, etc. Et donc le premier plan, c'était de désigner deux commandants de la OULA 4, Halim et Lakhtar Bouchama, qui allaient euh, prendre un représentant de la OULA 3, un représentant de la Là 1. La OULA 2 n'est pas mentionnée. Il n'avait aucun contact avec elle. Et si Mohamed devait aller à la OULA 5, et puis prendre l'avion du Maroc, et aller au nom de la Hélène dire au GPRA, il faut négocier. Mais après, le 5 mars... Où ils ont dit, Algérie algérienne, ça va au-delà de la paix des braves, pour laquelle ils ont tué 600, 500 personnes, ce qu'on a appelé les bravistes. Parce que vous avez un jeune qui lit les journaux, il dit, De Gaulle propose une solution politique. Il est exécuté pour ça, par Lardal Bouchema lui-même. Il a exécuté son adjoint comme braviste. Mais Lardal Bouchema, qui était le plus instruit, il dit, Algérie algérienne, il y a là un État associé. Donc, on a une partie des objectifs de novembre. Mais quand ils ont dit ça, ils ont dit alors à ce moment-là, on négocie directement avec de Et comme nous avons une influence sur la 5, toutes les zones intérieures de la 5 dépendaient de la Wilaya 4, qui reprochait au commandement de la Wilaya 5 d'être à Oujda. Mais c'est ce qu'elle disent, au-delà du barrage. La Wilaya 6. Ils avaient une influence. Là où il est trois, 3, suivez là où il est 4. D'ailleurs, moi de je leur ai dit, hein, si ça l'a, tout ce qui est bon, vous jugez que c'est bon, on vous suit. Il y avait une discipline héritée du PPA. Euh, et, mais ils ont dit non, on va négocier et les autres vont nous suivre. Ce qui fait que de Gaulle a donné le feu vert aux négociations depuis le mois de mars. Parce que l'audience du 10 juin, à l'Élysée, c'est le résultat de cinq ou six rencontres secrètes. À Médéa, entre les émissaires français, le conseiller de De Gaulle, et Bernard Tricot, celui de Debray, le colonel Maton, et ils rencontraient l'Akhdar Halim et Abdelatif, le chef de zone la zone 2. Et ils se sont vus au moins cinq fois. Et de Gaulle a donné le feu vert, il les a reçus, ils sont partis très satisfaits. On, tout ce qu'on a écrit sur cette affaire est faux. <laughs> Parce que. Les Français n'ont pas compris le, pourquoi il y a eu le retournement. Euh, on a supputé, je passe les détails, mais, mais si Mohamed a parlé plus, moi j'ai le PV de l'entretien du 10 juin chez De Gaulle, il a parlé plus que Sissala, Et on a dit, c'est Mohamed qui a viré sa cutie. Et en sortant de l'ascenseur, Bernard Tricot lui a dit alors, il lui a dit euh, la, la garantie de De Gaulle euh, très importante pour nous parce que jusqu'à maintenant, vous étiez des sous et tout. Et donc, ils sont partis. Si Mohamed est parti vers la des 5 pour faire signer la des 5 l'accord de cessez-le-feu. Et, et puis, rien ne venait. C'est pour ça que de Gaulle, quand on, on lui a pris, on lui a dit, euh, on n'a pas de nouvelles du commandant Lardal, qui, qui a le plus parlé. C'est à ce moment-là qu'il a voulu démissionner de Gaulle. Et quand on lui envoie le type de Melin, une. Quand ils étaient à Melun, De Gaulle les a laissés lanterner. Il a dit, si je reçois l'accord de toute l'ALN pour le cessez-le-feu, qu'est-ce qu'ils vont dire là, le, que, que, signif, que pèse le GPRA sans l'ALN C'est ça, c'est un, un projet très diabolique de paix fractionnée. D'abord l'ALN, ensuite le GPRA n'aurait pas d'autre choix que d'accepter les conditions de, de Gaulle. Et il les a pratiquement renvoyés de manière très... Malpoli, euh, quand on lui a dit, euh, on, a, on a retrouvé les, les lettres que transportait le lieutenant Larder Boroka. C'est lui qui a saboté tout. Et, il, il a amené les lettres de si Mohamed vers les, les zones euh, vers l'est, qui ordonnait d'arrêter Si Salah et Hali. En récupérant ça, les Français ont su que c'était fini. Et c de Gaulle était vraiment abattu. Il a beaucoup misé sur cette affaire. Mais il continuait, il a mis en place les commissions d'élus, parce qu'il voulait un embryon d'exécutif algérien, euh, qui a fini au Rocher Noir après, mais il, il avait les élus, les administratifs, ceux qui étaient dans l'expectative. D'ailleurs, dans le PV de négociation avec euh, Bernard Tricot, euh, a dit la, la légitimité, c'est ceux qui ont pris les armes. Parce que, il dit, ils ont beaucoup de mérite, mais vous aurez besoin des, des compétences. Des, des gens qui sont dans nos administrations, qui ont une sympathie pour vous, mais qui ne sont pas engagés. Ils ont accepté ce principe. Et le plan, l'Algérie algérienne pour De Gaulle, c'est un exécutif algérien où on a, on a pressenti ça à queer le préfet Mechri qui était à l'Élysée euh, euh, avant 1959. Et, et le, des gens comme Lakhda Bouchema ont accepté le, le principe euh, d'une autonomie interne, où, euh, évidemment, la primauté pour lui sera pour les types de l'Aïlène. Ils sont revenus à la primauté de, du militaire sur le politique, hein. Mis, pendant très longtemps. Et, et alors De Gaulle, il continuait, il a dit, bon, l'essentiel n'a pas réussi. On va continuer aller jusqu'au bout de des commissions d'élus transformées en exécutif en essayant de récupérer le, ce qu'on appelait les nationalistes raisonnables. Ce qu'on considère Lardal a dit nous avons beaucoup de partisans dans la Hélène, qui considèrent que De Gaulle a accepté une bonne partie de nos revendications. Et donc c'était la tournée de la dernière chance pour De Gaulle. Il y croyait à moitié, et, mais quand il a vu toutes... Tout ce peuple là, qui sort là, des quartiers populaires, il, est, il a juré de ne plus remettre les pieds euh, en Algérie, et il a, il a envoyé des émissaires en disant dites à ceux d'en face que cette fois, c'est sérieux. Ce n'est pas des contacts, on prépare la pré-négociation. Et c'est comme ça qu'il y a eu Goumengel euh, Pompidou à, à Lucerne dans, en février, et il a accéléré le, le processus. Mais pour nous, pour le côté interne algérien, euh, ça, ça reste, c'est l'intervention du peuple. D'ailleurs, ça, ça, le rapport le rapport Boulhar vaut son pesant d'or, parce qu'il y a le PV de, de la réunion <coughs> d'une partie du GPRA, dominée par les 3B, qui commentait cet événement, et c'est celui qui a le plus parlé, c'est Boussouf. Alors Boussouf, les 3 B étaient très jaloux. farhat enfin, Abbas, qui n'avait aucun pouvoir et qui devient le zaïm du pour le peuple. Oui. Mais, mais là, Boussouf dit euh, l'importance du slogan Algérie musulmane dépasse de beaucoup celle du slogan Abbas de Gaulle, négociation. Il y voit l'indice d'une campagne religieuse contre les Roumis, qui à l'opposé des consignes données par ses services avant le voyage de Togo de le mot d'ordre donné à cette occasion était de dissocier les ultras du reste de la population et d'affirmer, d'une façon discrète, le souhait des musulmans de voir le général prendre langue avec le FLN avant de trouver une issue honorable à la guerre. D'après Boussouf, cette consigne n'a été que très partiellement suivie au démarrage, pour passer progressivement au second plan les manifestants insistant sur le caractère musulman de leur action. Et après, la seule crainte de Boussouf, qui était d'un anticommunisme primaire, lui, il a dit euh, Oui, le, le peuple est musulman. Et Bantobel l'a contesté au nom d'un assyrisme anti frère musulmans. Donc, même les 3B, ce n'était pas un groupe homogène. Ils n'étaient pas d'accord sur tout. La seule crainte de Boussouf, c'est très long ce rapport, il a dit euh, le, le Parti communiste, qui ne représente rien, il va se essayer de récupérer ce mouvement que nous ne contrôlons pas. Donc il faut essayer. Il a dit, le verset du PC va, va se mettre à citer les versets du Coran uniquement pour récupérer ces gens qui manifestent au nom de l'islam. Or, moi, j'en ai parlé avec un journaliste éradicateur. Il me dit, c'est vrai, mais il ne faut pas le dire, parce que ça va légitimer les islamistes de 92. <laughs> c'est une manière. <laughs> De, de voir l'histoire à travers les, les, les angoisses du présent, on ne peut pas faire de l'histoire avec ça. Mm. Être pas... musulman à l'époque, ce n'était pas être islamiste. Alors, ju – Alors justement, mm. vous, vous mettez euh, en, en lumière euh, une, un slogan qui a été prôné par euh, les manifestants. Euh, alors vous parlez d'Alger, mais il y a eu des manifestations euh, aussi par ailleurs, et des, des morts hein, dans d'autres villes d'Algérie. Euh, justement, on, on voit bien la, la réaction des Algériens à des événements, à des euh, situations, à une guerre qui a été très euh, dure pour la population algérienne, où chaque famille avait, dans des conditions atroces, vécu cette guerre-là. Euh, et, et cette réaction a été euh, miraculeuse en décembre 1960 du peuple algérien, d'une partie euh, des Algériens. Euh, Justement, c'est Amar. Bon, on a essayé de comprendre le contexte. Hein, on n'a pas prétention en deux heures d'analyser suffisamment euh, bien euh, ce contexte-là. Euh, mais qu'est-ce que, justement, dans cette volonté à l'époque de Gaulle, avec son plan de Constantine, avec la nouvelle Algérie, hein, euh, souvenons-nous, avec l'Algérie algérienne, euh, est-ce que finalement, le fait que De Gaulle s'approprie le slogan « Algérie algérienne », les Algériens, à ce moment-là, s'en disent « Ben non, c'est Algérie musulmane euh, ». Comment vous voyez euh, Et que euh, et les Algériens, ont, comme disait ces sadaks, ont dit euh, « De Gaulle, Abbas, Farhat Abbas, négociation euh, ». Donc, ont amené, ont demandé la paix, la paix euh, et la fin de la guerre euh, au nom… Euh, d'une Algérie euh, musulmane. Comment vous voyez un peu cette, cette, cette montée d'un certain nombre de revendications Alors, euh, il y a deux choses. Sur ce slogan « Algérie algérienne », moi, je, je l'avoue, et peut-être Sadr, tout à l'heure, il pourra euh, mieux l'expliquer. C'est un slogan... Est-ce qu'il était important en 60 Non, il faut des recherches Pointu. Par contre, le, le est-ce que le slogan Algérie musulmane était brandi parce que le slogan Algérie algérienne était pris, préempté par ce qu'on appelait après la troisième voie Ça, c'est très intéressant, mais une chose est sûre, c'est que euh, ce, ce peuple, parce que c'est des des dizaines et des dizaines de milliers qui sont sortis contre finalement euh, une sorte de normalisation. Euh, de Gaulle était dans une campagne. Il était dans une campagne. La tournée est importante. Hein? J'ai vu hier euh, le compte-rendu de cette tournée. Euh, J'étais assez impressionné. Hein? Et le nombre de villes et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose pour asseoir. Euh, ce, son plan maintenant euh, il faut peut-être euh, je parle euh, vraiment avec précaution euh, ce slogan Algérie musulmane mais qui est accompagné par vive Farhat Abbas vive euh, le, le GPRA, ce qui est intéressant et là je rejoins Fadr Sallam euh, c'est le fait qu'en 60 ce, ce slogan sorte comme ça, Algérie musulmane et personnellement dans les écrits dans, le, dans les rapports que j'ai eu l'occasion de voir dans le, les échanges de lettres moi j'ai pas vu ce slogan peut-être je l'ai vu comme ça mais à une époque je m'intéressais pas à ces sujets mais c'est intéressant de voir que euh, que euh, représente qu'exprime ce slogan je pense moi c'est que ce slogan qu'il y a eu un travail parce que ces, ces centaines de milliers ou des dizaines de milliers qui sont sortis ne sont pas sortis d'une façon spontanée. Et il y a d'autres ressorts qui, forcément, ne viennent pas des structures de, du FLN. Parce qu'à cette époque, j'ai eu un rapport de Bantobel où il dit euh, plutôt les minutes du CNRA de, de janvier, euh, pardon, de août 1961, euh, il dit que euh, 60, bon, le FLN n'était pas à l'origine, mais après, il, il, il va récupérer et va organiser. Ce n'est pas le même discours de l'association du 11 décembre d'Alger, où la DOC sache chez eux que c'est eux qui sont à l'origine du 11 décembre. Donc, on voit bien que les origines du 11 décembre sont jusqu'à l'heure actuelle. Très peu connu. Moi, je ne peux, je peux pas dire euh, pourquoi, parce que bon, j'ai travaillé un petit peu, mais je ne suis, je suis pas allé très loin sur les ressorts. Et on voit bien qu'on a deux discours le discours de, de, de l'association qui existe, je ne sais pas si elle existe aujourd'hui, qui, eux, sont vraiment dans euh, les slogans, c'est eux, la mobilisation, c'est eux, l'organisation, c'est eux, et les minutes du CNRA. Maintenant, pour revenir à l'Algérie. Euh, Musulman, moi je pense que c'était un slogan euh, qui qui est important. N'oublions pas que le, le FLN, que l'islam au sein du FLN et au sein de l'ALN c'est des ferment importants. Maintenant, comme l'a bien expliqué Sadr ne confondons pas le, les choses, ne faisons pas d'anachronisme. L'islam algérien musulman, c'est une Algérie nationaliste, une Algérie indépendantiste aussi. Donc c'est ça, c'est une question d'expliquer de, de, ce slogan dans un contexte particu particulier où il y avait Algérie française et sûrement, ce Algérie algérien, peut-être, il a été diffusé avant. Et n'oublions pas, Algérie algérienne aussi, ça renvoie à 1949, à la crise dite berbérise. Donc là, c'est une il faut aller plus loin et on revient à ce que nous disions au début de... Euh, de cette euh, euh, conférence, c'est que il faut il faut des chercheurs. C'est toujours le même problème. On ne peut pas travailler sur tout, on ne peut pas être spécialiste de tout. Merci beaucoup Amar euh, euh, Justement, cest ça euh, Là, on a essayé de comprendre le contexte euh, côté français, le contexte côté algérien, donc avec une volonté euh, de l'ALN. De, de négocier directement avec le, le pouvoir, avec De Gaulle, euh, et euh, justement une action du GPRA avec à sa tête Farhat Abbas qui a été scandé pendant les manifestations on, on, à côté du slogan Algérie musulmane. Euh, Farhat Abbas a été euh, voué, euh, à la je dirais, a été considéré comme le euh, président de l'Algérie. Donc on, on, voit, on, voit, on voit à ce moment-là des ferments d'une volonté d'affirmation finalement de l'Algérie indépendante d'une manière euh, très forte. Souvenons-nous que euh, le, les morts qu'il y a eu à Alger, c'est au moment où les populations euh, algériennes, euh, les manifestants, euh, sont allés vers les quartiers européens. Donc c'est une façon de dire euh, l'Algérie nous appartient. Euh, et, euh, et à ce moment-là, l'armée française a réagi de manière extrêmement brutale, comme d'habitude. Ça a été aussi le cas à, 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 à Djidjel, si je me souviens bien, ou à Skikda. Euh, et, et donc, c'est une façon d'amener les acteurs, euh, le peuple, euh, les acteurs constituants d'une nation, à s'exprimer sur l'idée de l'indépendance et à dire notre président sera. Farhat Abbas qui négociera avec le pouvoir français. Comment vous voyez un peu ces ingrédients-là des acteurs de ces manifestations ben, Il y a deux choses. Il y a une lettre de François Coulet de juillet 60 à tous les responsables en réaction à des rapports qui disaient les imams, même les imams officiels d'Alger dans leur prêche, ils soutiennent le Hével. Or, Coulet a dit, il y a un véritable réveil religieux, mais il ne faut pas sévir. Parce qu'on va créer des martyrs. Si un imam euh, de, 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 tient des propos euh, politiquement incorrects, il faut lui envoyer un notable musulman qui euh, le rappelle à l'ordre. Mais il, il, voulait, il était contre toute. Euh, mais l'important, c'est que lui il reconnaît qu'il y a un, un réveil religieux à Alger, qui n'a probablement rien à voir avec le fait, parce qu'il y avait les radios. Vous savez que le, la révolution algérienne avait des émetteurs de l'intérieur des maquis qui émettaient. Il y avait Radio Tanger, de Radio sautel de Tunis, de Rabat, de, de la voix des Arabes. Donc, et vous savez. Les progrès de la scolarisation, vous avez des gens qui se politisent en se formant eux-mêmes. Ensuite, il y a le côté euh, effet, euh, un retardement de la répression au moment de la bataille d'Alger. Hein, vous avez des gens qui ont eu des torturés, des, des disparus, des, des, des gens qui étaient hébergés. Quelqu'un qui était enfant à ce moment-là, il grandit, euh, et il a un désir de revanche. Et. Mais ce qui est sûr, le, le rôle indéniable de, de la première organisation, le début de l'organisation de CAT à Alger, la Villa de c'est la confection des drapeaux. Ça, c'est un mot d'ordre de la nariade d'Alger, de la Mintaka 6. Ils ont donné immédiatement comme consigne, de toute, il y a beaucoup de femmes qui ont eu une attestation de MOUJAHIDA, parce qu'elles ont confectionné ce soir-là des drapeaux. Or, l'organisation de la, de la zone 6, bon, c'est une décision du Sénat de, de, de Tripoli, le, le premier. Mais l'ordre n'est arrivé avec Ben-Shérif qu'en septembre. Ben-Shérif, on, on l'a envoyé pour euh, la reprise en main de là où il est 4, il est sorti en mars, il n'est arrivé qu'à la mi-septembre. Donc, il a dit voilà l'ordre. Donc, on a créé euh, la zone 6, on a mis beaucoup de temps, c'est lié. Euh, aux relations Lakhar Bousmaha d'un côté et si Mohamed de l'autre, euh, si Mohamed voulait envoyer si à la tête de la, la zone 6 pour se débarrasser de lui. Parce que tout le monde sait que quand on descend de la montagne dans la mitija, on, on est tué ou arrêté dans les deux mois. Or, Silohamed ne voulait pas y aller. Silohamed, si on a eu Delossi, Delossi qui est le plus instruit des types de la 4, qui a été nommé par si Mohamed mais il a été arrêté le 14 octobre et finalement on s'est mis d'accord pour nommer Si à la tête de la zone 2 où il n'était que lieutenant militaire et on a mis Bousmaha qui était chef de nahia donc sous-lieutenant qui a aidé Si à, à retourner Si il a été nommé chef de la zone 6 et la, la nouvelle tactique de Si c'est d'investir les villes les montagnes, les commandos de chasse, il y avait un quadrillage qui rendait les déplacements dans les montagnes très difficiles, et ce qui fait qu'on a, on a installé des états-majors militaires en ville, ce qui crée le trouble chez le deuxième bureau, parce que le deuxième bureau, il, il n'arrivait pas à distinguer entre les, les, les réguliers, les jounous des unités combattantes et les mousselines, qui redeviennent civils, Ensuite, il y avait l'OPA, organisation politique que l'on appelle l'OCFLN maintenant, organisation civile. Et en 60, on voit apparaître l'ORU, organisation rebelle urbaine. Et là, on a découvert des officiers en ville. Ce qui a amené Ageron à dire que l'OPA n'a jamais existé. Ça a toujours été des officiers en civil. Alors, on avait une véritable ORU. Euh, parce que Bousmaha a installé son PC à Bnimesous, donc juste à l'ouest d'Alger. Il s'est fait arrêter le 25 novembre, alors qu'il est arrivé fin octobre. Et il n'a pas, pas duré un mois. Mais son lieutenant politique, le lieutenant Zoubir, était à belkou. C'est vraiment l'épicentre des manifestations. Il a été tué le 11 janvier à la rue Lamartine, vers les, les halles centrales, anciennes halles centrales. Et c'est l'organisation de Zoubir, avec comme euh, un des adjoints de Nahia, qui est quelqu'un qui vit toujours, il a écrit un livre, il est à Bir Khadim, il s'appelle Bennaï, Bennaï c'est Jamal. Lui, il, il a été, euh, comme il était à Alger, il a joué un rôle euh, très actif dans le, la récupération, le retournement. Moi, j'ai trouvé, on a fait une réunion il y a 3-4 ans le, sur le cet anniversaire, il y avait un, un travailleur immigré qui m'a dit, euh, moi j'étais à un feu rouge euh, au Golfe, là, en montant de Birmandres, il attendait de traverser, il me dit, je vois une Simca noire qui s'arrête, il lui a dit, demain, euh, monoprix de Belcourt, à telle heure. C'est tout. Il m'a dit, euh, j'ai pris mes camarades, on a été. <laughs> euh, L'autre lui a dit, El-Khawa, El-Khawa, Galoulkoum plus beaucoup de et, et ça, c'est les, les, les recruteurs de là où il en civil. Mais ce qui est important, c'est que comment obéir à un inconnu Il peut être un des, des agents français. Il y avait, y avait une maturité politique de, qui est due aux événements, le, le nombre de martyrs, de, de, les exactions de l'armée française, etc. Et, et Là, la réunion de cette réunion du GPRA, ils étaient malheureux, à la fois ravis de, de voir que le peuple leur sauve la mise, mais ils disent c'est pas nous. Ils ont l'honnêteté de reconnaître que c'est quelque chose qui vient des profondeurs. Et, et ça, c'est une constante de, de l'histoire algérienne. Et, et, il n'y a pas que les organisations secrètes, les élites qui, qui ont beaucoup de mérite, mais il y a le peuple. Et le, si on, on se tourne vers l'avenir pour une démocratie en Algérie, il faut tenir compte de ce phénomène-là. Quand, quand le, le peuple intervient, et il faut lui euh, ménager une place. Il ne faut pas le remercier après coup pour euh, s'enfermer dans une tour d'ivoire du pouvoir. Et donc... Euh, ce que dit Mohamed on a on a besoin de multiplier les recherches parce que célébrer les mémoires, là, le rapport Stora est très bon sur les mémoires, mais des, des célébrations, des commémorations avec un viatique de connaissances historiques très maigres, c'est très dangereux. Ça ouvre la oui. voie à d'autres mystifications. Alors on va voir. Mohamed va nous dire. On a fini par connaître les historiens qui ont levé le masque qui vont, qui vont euh, discuter de mémoire. Et alors, on nous dit qu'il y en a un né après 62 Donc, il est le signe de la... Mais, mais, personnellement, je ne le connais pas, j'avoue mon ignorance. On, on en reparlera, ouais. si ça va. Te... <laughs> on en reparlera. Justement, pour bien comprendre un peu ce travail historique qui est nécessaire, hein, notamment, bon, il y a une commission officielle, on verra si, comme vous dites, c'est des nouvelles mystifications qui en sortiraient ou un vrai travail de recherche. Il y a plusieurs débats là-dessus, il y a des historiens qui se sont exprimés dans la presse sur cette question, et je pense que c'est un vrai sujet qu'on abordera. – Mais le problème c'est que les historiens français de la commission, on ne les connaît pas. – Oui, oui, on, on, on abordera, côté, on abordera ce Algérien, sujet, on je pense, sur, sur la méthodologie de la recherche historique et sur comment écrire justement l'histoire, c'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement intéressant et important, mais, mais justement, pour bien comprendre le rôle du peuple, c'est Amar, parce que c'est un peu ça qui a été… Un peu le sous-jacent de ces événements. Euh, C'est-à-dire, bon, on, a, on a vu que la l'ALN, au départ, c'est un certain nombre de militants euh, issus du peuple qui euh, ont constitué l'ALN, ont constitué le, le 1er novembre, euh, à, dans le cadre d'un mouvement national qui s'est construit depuis les profondeurs. Euh, de la résistance à l'occupation depuis, euh, hein, on ne va pas citer tous les exemples, mais au moins depuis 1926, 1936, 1937, 1945, 1900. Voilà, c'est toute une continuité d'une construction nationale, euh, d'une construction de, de, justement de cette volonté d'indépendance et des outils euh, pour pouvoir accéder à l'indépendance. Et là, on a vu l'émergence d'autres outils, d'outils de, euh, de manifestation de masse où les gens... J'ai entendu le, le, le témoignage de M. Harbi qui dit euh, Les gens se, sont, sont, euh, sont, ont affronté les mitraillettes, ont donné leur vie à ce moment-là, en 1960, euh, en disant euh, Je suis prêt à, 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 à affronter la mitraillette pour la cause de l'indépendance, ce qui a été, paraît-il, euh, quelque chose qui a été perçu par les Français comme euh, une, une vraie euh, volonté profonde des Algériens euh, qui euh, sont prêts à, au sacrifice suprême sans nécessairement euh, voir les, 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 immédiatement les, les résultats de ce sacrifice pour défendre la cause de l'indépendance. Et ça a été, paraît-il, un marqueur euh, pour euh, les Français, pour comprendre que les Algériens, aujourd'hui, souhaitent, euh, quel que soit le prix, l'indépendance. Et, et, et donc, aujourd'hui, si on devait euh, justement essayer de comprendre ce qu'a été les difficultés d'organisation de la révolution et ensuite de comprendre les conséquences de, 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 des manifestations de décembre 1960 euh, où euh, un des slogans, on en a parlé de plusieurs slogans, ça a été Farhat Abbas président, euh, négociation, euh, paix euh, et euh, bon, bah, on a vu que Farhat Abbas, mine de rien. Euh, après, n'a pas pu... Enfin, n'était plus président du GPRA à partir d'août 1961. Donc, co comment vous voyez cette difficulté de, 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 des Algériens à être... ou du peuple d'être un acteur euh, de l'avenir du pays, et, et ensuite la légitimité politique dans les négociations vis-à-vis -vis de l'indépendance avec la France Donc, euh, voilà. C'est beaucoup de questions, je sais, mais voilà, ça, ça ouvre la oui, porte à plusieurs je, je, je pistes de me, réflexion. Alors, et... Je pense que nous, historiens, malgré nous, euh, on, est, on est otage d'une euh, perception de l'histoire bâtie sur euh, la pensée lavisienne. Ernest Lavis, c'est-à-dire ça, ça après l'indépendance et même avant, on célèbre euh, les grands hommes, les grands événements. Aux, on a des chronologies qui sont consacrées souvent sanctifiés. Donc revenons par exemple 1er novembre. 1er novembre, qu'est-ce qu'on a On a les 22, les 6, les 9 et le 1er novembre. Oui, mais est-ce que on peut réduire cette période à ces événements et à ces seuls acteurs? Il y a des familles, il y a des gens qui ont aidé, il y a des gens qui ont parler il y a des gens qui se sont politisés, il y a des gens qui ont pris des risques. Donc, et c'est la même chose. Aujourd'hui, on est, on est otage de l'histoire euh, positiviste, c'est-à-dire euh, les grands hommes, les grands acteurs. Pas tous, des fois il y a des arbitrages. Et on oublie que et Sainte-La bien dit, c'est pas la première fois. Pas la première fois que les Algériens sortent en masse pas la première fois, et un peu partout. Euh, J'ai travaillé sur, euh, écoutez, sur mai 45 à Saïda. Mai 45 à Saïda. Et, et vous savez que mai 45 à Saïda, il y a deux dates. Il y a le 2 mai et le 18 mai. Le 18 mai, c'est une tentative d'insurrection, d'insurrection de la population. Ils voulaient fermer, ça veut dire fermer la ville, s'attaquer aux postes radio s'attaquer à toutes à les brigades de la militaire et tout ça et une insurrection euh, populaire et c'est vrai là nous on est resté dans l'histoire politique et, et très peu on est très peu moi je le dis aussi parce que bon, on, on essaie de s'affranchir de cette histoire et, et, et ben, on revient toujours à ces questions de méthodologie euh, nous avons euh, l'université doivent faire son rôle, c'est-à-dire des vrais départements d'histoire avec une histoire économique, histoire sociale, histoire où la géographie bah, est importante. Aujourd'hui, bah, on est, on est, on est euh, prisonnier des schémas classiques alors que cette histoire, elle est plus importante. Et décembre 60 est révélateur de, euh, de cette occultation. On parle de dé décembre 60, on dit que oui, c'est le peuple qui est sorti, mais... Oui, et après, que connaissons <laughs> vraiment, on connaît très, très peu cette histoire, hein même le 1er novembre, hein la alors la première année de la, euh, de, de, de la guerre, comment on passe du 1er novembre hein, à, des, à des zones, à des Nahiyas, à des euh, Wilayas, un peu partout dans l'Algérie, beaucoup d'Algériens, que ce soit dans les villes ou dans les Maquis, cette histoire, comment, moi, euh, moi j'ai fait un travail sur le retour. Euh, le retour euh, bah, des moujahidines à la, vie, à la vie quotidienne en 62. Je voulais savoir. Je voulais savoir. Euh, vous êtes parti. Vous êtes monté au, euh, au maquis peut-être en 57 ou en 56 et en 62. Et les résultats sont très étonnants. Et il y a beaucoup d'honnêteté. Je trouvais une... un homme. Il m'a dit "Écoutez-moi. Je suis rentré chez moi en 60, pas en 62, parce que dans ma région, il n'y avait plus de nédam, nédam maquis." Après, bah, donc, ça nous donne une autre idée sur l'organisation de Blairland, parce que nous, je pense qu'on est vraiment formaté, formaté par euh, la guerre partout, la guerre euh, durant toutes tout les toutes les sept années, alors qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des déplacements, il y a eu des changements, et des gens qui sont partis en ville, il y a des gens qui sont partis euh, dans, dans, dans le maquis. C'est vraiment la sociologie de la guerre et et je reviens. Je reviens à cette histoire. C'est tout à l'heure Sadra dit quelque chose de très important. Parler de la mémoire alors que qu'on connaît très, très peu l'histoire. On va on va arriver. Le risque le risque c'est de de faire euh, une histoire qui se base sur la mémoire. Et ça c'est dangereux. Merci merci Samad. Euh, alors on va essayer de comprendre. Là il est on a déjà une heure d'émission. On va essayer de parce qu'on peut rester des heures à parler euh, de, oui bien, euh, du, du, de, de décembre, justement 1960. Euh, on va essayer de comprendre les conséquences Les conséquences de ces manifestations. Vous en avez un peu parlé, c'est-à-dire euh, réunion à l'ONU euh, avec Karim Balkhasem qui rencontre Khrouchtchev, le GPRA qui reprend, qui reprend le moral, qui reprend espoir, des négociations qui ont été à ce moment-là, De Gaulle qui comprend que euh, c'est fini, euh, que sa solution d'Algérie algérienne n'était plus possible. La question du Sahara, euh, qui était posée euh, déjà avant, mais qui devient euh, un, un élément important des négociations d'indépendance, puisque l'indépendance était maintenant acquise. Euh, et euh, voir un peu tous les acteurs qui ont participé justement à ce processus de succession, notamment de pardon, de succession, de, 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 de négociation, notamment la, sur la question de euh, quelle forme d'indépendance et quelle forme qui sont les acteurs légitimes pour pouvoir négocier? On a, on a aussi euh, la tentative de De Gaulle de jouer aussi avec le MNA, qui, euh, pour pouvoir contrebalancer le GPRA, euh, voilà la LN, donc il a, il a joué avec beaucoup d'acteurs en Algérie pour pouvoir trouver euh, ceux qui amènent à une paix en Algérie et à préparer la pré-indépendance. Donc, comment vous voyez un peu toutes les conséquences de décembre 1960 Et notamment euh, dernière petite euh, question pourquoi celui qui a été clamé par les Algériens comme président, Farhat Abbas, finalement n'a pas euh, comment dire, euh, survécu à, euh, justement, euh, au GPRA et, euh, en, en août 1961 et été remercié. Alors, il y a plusieurs questions, mais je voudrais rappeler d'abord que le, la principale leçon donc, du, du 11 décembre, c'est la relation entre le, le, la base et les, les élites. Et le tort du système algérien, c'est qu'à partir du moment où on a pouvoir une bureaucratie, elle, elle se désintéresse totalement de, de ce que pensent les gens euh, qu'elle est censée servir. Or, des réactions inattendues de, venant de, de subalternes, on, on a déjà eu l'exemple dans une affaire d'importance mondiale comme l'affaire Sisala, c'est le sursaut d'un petit lieutenant. D'ailleurs, un des junots du groupe qui a amené Salaheddine Boroka, lieutenant militaire, pour arrêter le commandant Lakhdar Bouchama à minuit. C'est le qadi C'est un des Tunis. Il lui a dit Mais, "Tu es lieutenant, tu n'as pas le droit d'arrêter un commandant." Voilà un réflexe. Salaheddine a improvisé un mensonge pieux. Il lui a dit "On a reçu un message euh, par les transmissions de Tunis. 4 n'avait plus de, de radio depuis six mois." <laughs> Donc, mais le fait que l'Ardal ré, réagisse sans respecter la guerre, il a fait un putsch. Il, il avait ses raisons. J'en ai parlé longuement avec lui. Il avait une raison personnelle. Que son frère, en pleine négociation, il a eu l'imprudence d'aller voir sa mère, qu'il n'a pas vue depuis 1956. Il a été encerclé. On lui a amené sa femme, ses, sa mère, ses. Les enfants, pour qui, euh, il se rallient, on lui a tiré dessus avec un char, en avril 60, en pleine négociation. Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette bonne volonté de paix qui conduit à... Je crois que ça a beaucoup joué chez lui. Et puis il m'a dit, les opérations, c'était comparable à celles de l'opération Courrois. Ils, ils n'ont pas donné de... de gage pour diminuer les opérations. Il alors qu'il m'a dit, de notre côté, le radar a dit, il faut... Il ne faut pas de grandes opérations. Et, et donc on, on a quelqu'un qui a des raisons. Il fait un ijtihad personnel euh, et, et qui, qui fait que le, ses convictions passent avant le règlement. Et de la, par euh, comparaison, le peuple avait des, des raisons. Il n'a reçu. Il y a des gens de, de Bellecour qui n'ont jamais vu, hein, ni un militant de l'OPA. Ni un officier de la LN, et qui sont sortis, qui ont confectionné les drapeaux. Et ça veut dire qu'il y a un effet à long terme au niveau peuple, quel que soit ce que font les élites. Alors maintenant, les, les conséquences. À l'ONU, la, la France a frôlé la, la, la condamnation, à la, parce qu'à l'ONU, il y a l'Assemblée générale, il y a la commission politique. La commission politique, il faut une motion adoptée, au, de, je crois, au 75 pour créer une commission d'enquête. Et. Alors, je reviens à la réunion. Yazid a, Yazid a dit euh, c'est pas la peine de négocier avec De Gaulle, je vais faire condamner la France à l'ONU. Et il misait sur les nouveaux États africains, parce qu'il y en avait. On a appelé les 11, je crois, qui, qui venaient d'avoir. Parce que De Gaulle. Une des raisons de son, sa démoralisation, c'est qu'il ne croyait plus à ce qu'il appelait la communauté. Donc les États africains, le Mali, la, la Guinée d'abord, ils ont pris un, un, l'indépendance. Il restait que Ovoto le qui, qui voulait rester avec la France, il a dit :« j'étais dans la situation de la jeune mariée qui reste toute seule sur le parvis de l'église. <laughs> » Les gens disent :« Il n'y a plus de mariage, mais lui il continue, il attend le prêtre. » Alors, Yazid s'est trompé lourdement parce qu'il a ignoré l'existence de Jacques Faucard. Jacques Faucard préparait oui. la France-Afrique et on ils n'ont pas. pas voté pour lui. Même les, les progressistes, d'ailleurs on a eu le groupe de Casablanca juste après, même le Maroc de M5 faisait partie du groupe de Casablanca, c'est-à-dire l'Afrique progressiste. Hassan II il serait sorti rapidement… Et, comme, euh, Mohamed El ce qui sièze avec Nasser, c'était quelque chose de. et avec les Algériens. Et, et alors, euh, Abdelhamid Mahdi s'en est son expliqué sur une chaîne tunisienne, très très longuement, parce qu'il faisait partie de la délégation à l'ONU. Ils ont, ils ont réussi à faire passer la motion, et les Américains, contrairement aux habitudes, après le vote de la motion, ils voulaient un amendement. Ce qui ne se fait jamais. Et alors Marie a dit, on a préféré retirer la motion plutôt qu'une motion amendée par les Américains. Et, et c'est là où euh, le, Yazid, qui était un très grand diplomate, euh, il était comme en passant dans l'eau euh, à l'ONU, il s'est trompé parce qu'il y avait Focard derrière. Mais crime, euh, il a dit, je, je vais faire... Euh, répercuter la, la voix de belcourt à Manhattan parce que c'était quelques jours après les manifestations et tout le monde, tous les diplomates les, de Birmanie, de l'Inde, qu'est-ce qui se passe chez vous Alger Ils étaient vraiment le, le point de mire. Alors maintenant, après De Gaulle a dit il faut, euh, il a envoyé de, il, a, il a envoyé d'abord c'est là où De Gaulle était un grand réaliste. La, la mission qu'il qui a, qui, qui a envoyée dès, dès qu'il est rentré d'Algérie, c'est qu'il a chargé Abdelkader Barakrok et Sid Hamiani. Barakrok avait été euh, secrétaire d'État en 1957, mais qui restait au service de De Gaulle. Ils ont passé le, entre le 25 décembre et le, le 2 janvier à, en Suisse, où ils ont rencontré. Euh, un officier du mal qui s'appelait Na, Khaled Nasser Khoja, qui sera patron de la DGS un après, accompagné de Lamin Zorwal. Lamin Zorwal devait être sous-lieutenant à l'époque. De Gaulle, quand il a appris que, que, que le, le peuple réagit à son consigne et que le lieutenant Lahrar euh, met en échec un plan euh, accepté par le conseil de la Wilaya, il voulait tester ce que pensent les cadres moyens et subalternes des négociations. Et moi j'ai mis dans le, le rapport de Barakouk, après avoir euh, rencontré le Khal Troja et Lamine Zalwal. D'ailleurs Barakouk a sympathisé avec Zalwal parce qu'ils sont du même patelin des Ores. Il, il m'a dit, j'ai reconnu, il ressemble à son père. Et, et après, il a... Il, quand euh, René Brouillet là, il a été actionné par De Gaulle, euh, René Brouillet a dit Le général va nommer son homme de confiance, c'est Georges Pompidou. Et la diplomatie du Géparin savait que Pompidou avait été chef de cabinet de, de Gaulle en 1958, et que c'est vraiment son homme de confiance. Et euh, après, il a dit à Abbess Et vous il lui a dit, nous euh, déléguons nos, nos trois meilleurs diplomates, un, Dahlem, deux, Boumanjel, trois, Boulharov. Ce sont ces trois qui, qui ont eu un rôle majeur dans les prénégociations secrètes, et qui ont, le point fort, c'est euh, Lucerne, la rencontre Pompidou, euh, Pompidou euh, de c'était un diplomate qui, qui chassait, servait de scribe, Boumenjel-Boulaharouf. Voilà, on a le PV de cette négociation, et c'est là où on voit que du côté du, du GPRA, les, ils n'accordaient pas leur violon. Le, on a le rapport remis au GPRA, mais on a le rapport Boulaharouf. On n'a pas le rapport, c'est Harbi qui m'en a parlé. Euh, c'est le rapport de Boulaharouf sur Boumenjel, à, à Bontobal. Il lui a dit. Euh, euh, Boumangel n'a pas soulevé le problème du Sahara, qui n'est intervenu que par inadvertance à la fin, sur le, sur le territoire de l'autodétermination. Euh, euh, Pompidou a dit, euh, le Sahara, ne, on ne fait pas d'autodétermination, c'est la France. Et là, c'est une erreur de Bontobal, euh, parce que Francis et Abbas disaient... Il faut, on ne va pas continuer à sacrifier les shahadas pour des poignées de sable. Or, Boumedjé n'était pas sur la même ligne. Boumedjé est décrit comme l'aile intransigeante de l'Udma. Et même au sein du GPRA. Et donc, je pense que... Après, Boumedjé bah, l'a répondu, non. L'intégrité du territoire est aussi importante que l'unité du peuple et l'indépendance. Et donc, ce sont ces clivages au sein du euh, GPRA qui ont conduit à, à l'éviction de Farhat Abbas, qui était vraiment le, la cible de, de Baghada. Pendant cette période-là, qui va jusqu'au CNRA de Tripoli de 1961, il y avait deux conflits très graves c'est boumediene Krim et euh, Baghada Abbas. Abbas. Et. Il y a eu un début de concertation, mais qui n'a pas duré longtemps entre l'état-major et ben Khadda. On a une formule que Harbi dit, c'est une formule de la tradition orale. Euh, Boumedienne aurait dit à, à ben Khadda, "Tu liquides le trio, on est avec toi. Le trio, c'est les trois B. Et c est, c est, voilà une nouveauté. On considère Boumedienne comme l'homme de Boussouf, mais il était contre. Boumedien s'est mis à voler de ses propres ailes depuis la création de l'état-major. Il avait un budget secret 5 milliards, je crois, ce qui est important pour la Hélène qui n'avait pas de quoi acheter des boîtes de sardines. Et, et... il voulait faire alliance avec Machada. Ben et il reste à savoir pourquoi l'alliance Machada-état-major a expliqué l'éviction d'Abbas. Mais après cette alliance, il y a eu un conflit très dur entre Ben Khadda et l'état-major dès sa nomination, parce qu'on a une note au Wilaya, euh, les, les wilayas dépendent de la présidente du conseil. Il a voulu dissoudre l'état-major, et c'est mmh. l'un des premiers conflits qui, qui a rejailli par la suite l'affaire du commandant Moussa, qui, qui a été nommé par Ben Khadda à, à l'ouest. Euh, pour remplacer l'état-major, mais je, là on peut en parler. De, euh, Boumediene qui parlait l'arabe classique avec des formules coraniques. Mais dans cette affaire, il ne savait pas que les communications téléphoniques entre Oujda et Balkan étaient euh, interceptées à Oran. Parce que tout le réseau téléphonique marocain dépendait d'Oran. Alors quand le GPRA s'est disputé avec les Tunisiens, ils sont venus se réunir à Mohammedia en février. Dès son arrivée, il appelle l'Oujda. Il trouve Khaïd Ahmed. Khaïd Ahmed appelle tard le soir, Boumediene, qui était à Barkhane, dans les, les campements qui étaient commandés par Sheikh euh, etc. Et le, 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 le PV d'écoute, texto, Khaïd euh, Ahmed lui dit Rais, je vais l'a qu'il aille se faire foutre. C'est comme ça que Boumediene réagissait. Boumediene qui est devenu... Il s'est affirmé comme homme d'État, il faut le reconnaître par la suite. Le Boumediene de cette époque-là n'était pas un grand démocrate, ni même un grand discipliné. Et puis, l'anat-l'alé pour, pour, pour un musulman plus pratiquant que lui, comme Bachada, ben c'est quand même... C'est... excessif. Non. <coughs> vous, vous, pardon. Vous, vous, vous mentionnez... Une, une période dont Amar Mohandammer avait justement écrit beaucoup sur les conflits, sur l'indépendance, sur l'été 62. Je, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est très intéressant de comprendre justement les conséquences de 1960 et l'émergence d'un acteur qui était l'émergence, la volonté du peuple qui s'est sacrifié pendant ces manifestations et comment cette émergence a été ensuite. Euh, plus ou moins, euh, voilà, qu'est-ce qu'il en est résulté en réalité de, cette, de ce nouveau, nouveau acteur euh, pendant la crise de 62, pendant les négociations Est-ce que finalement les, les appareils et les, les ambitions de chacun ont pris le dessus sur cette volonté du peuple, sur la souveraineté des Algériens euh, Alors, c'est ma, ma dernière intervention parce que je dois partir à Miliana. Euh, on en parlera peut-être avec Sadar, qui m'a aidé quand je faisais ma thèse sur 62. Donc, bien le, on a beaucoup discuté sur Moussa, l'affaire Moussa, l'affaire Zoubir et d'autres affaires. Après 60, après décembre 60, je pense que le peuple en tant qu'acteur est surtout pris en considération par les négociateurs français. Ouais. Du moment que. Que c'est la France qui était encore en Algérie pendant encore deux ans et, et cet acteur est en opposition à la présence française et c'est pour ça que après cette période on va accélérer on va accélérer les négociations ça veut dire que ça va devenir sérieux on va il y aura de gros problèmes le Sahara et le la communauté européenne euh, euh, l'armée les bases militaires euh, les, les avantages euh, économiques euh, le statut de la langue française les essais nucléaires et tout donc c'était pas des, des négociations faciles mais qui vont aboutir euh, globalement avec rapidité écoutez décembre 60 61 et mars, c'est fini, mars 62. Ce n'est pas une longue période. Par contre, au niveau du, du, du FLN, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, L'indépendance qui arrive, qui va arriver, qui est annoncée, euh, va complètement euh, recomposer les équilibres. Euh, tout à l'heure, ça a parlé de, de cet entretien euh, de Boumedienne, plutôt sa position par, par rapport au 3B. Donc, il y a d'autres euh, anecdotes, d'autres faits. Euh, on a aujourd'hui, on connaît très très bien que pendant cette période, euh, les alliances, on n'était plus dans, dans l'avant-décembre 60. Boumedienne va s'affirmer. Euh, les anciennes euh, tensions avant 54, donc euh, centralistes, euh, euh, partisans de Farhat Abbas, donc tout, toutes ces, ces, ces oppositions, ces querelles vont devenir de plus en plus importantes. Et ce qui va se passer, qui à mon avis le, le point, l'élément majeur, c'est que les wilayas acteurs marginalisés, pour plusieurs raisons. Bah, tout à l'heure, ça a dit qu'ils n'avaient même pas de quoi acheter. Ce qui est vrai. Bah, euh, Colonel Hassel m'a dit qu'on est resté des fois trois jours sans rien manger. Colonel, bah, commandant puis Colonel de, de, de la Hélène. Donc, on voit bien que cette période, les, les stratégies, les alliances, les désalliances, et, et, et aussi le retour euh, des villes les fédérines. Donc, beaucoup de choses euh, vont changer après 60. Les négociations vont s'accélérer, l'ALN de l'intérieur va, va se réorganiser, et en 1962, il va y avoir ce qu'on appelle le ULAIS et bien sûr, euh, au sein du FLN, l'émergence de l'état-major général comme à la fois acteur militaire mais aussi acteur politique et je pense qu'on aura l'occasion une autre fois batman de revenir sur l'après 60 et moi je, je profite de l'occasion si on pouvait dans les mois prochains euh, avec d'autres historiens euh, parler de du peuple en tant qu'acteur et, et de voir ce qui a été fait à l'université ou en dehors de l'université. Et, et vous m'excuserez parce que je prends la voiture maintenant. et ben, je vous vous dire dire de... pour euh, corroborer, la, la réunion inter ulaya organisée à Zamora, donc en juin, voilà. c'était... Ils étaient beaucoup plus proches du peuple que l'armée des frontières. Qui, ben, qui, qui qu il accue, ils étaient accueillis comme des, des, des coopérants. Hein qui venait du Maroc. Et le, le pouvoir aurait été mieux accepté, pas, si on avait tenu compte de, des résolutions de la réunion interwilaya, mais après, il y a eu un autre putsch de, 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 de l'état-major. Et, et cette alliance euh, Bembella-Poumedienne, ben même Kridel, euh, se méfiait de... Il faut se souvenir que Boudiaf a renoncé à, à continuer à être avec le groupe de Tizi Ouzou. Quand euh, Heidel lui a expliqué, eh bien, euh, il faut venir avec nous pour euh, ne pas laisser Bumbella tout seul avec Boumediene qui va euh, instituer une euh, dictature militaire. Et ça a été convaincant pour Boudia. Ça veut dire que les deux n'étaient pas pour le parti unique. Mais Boudia ben, va rejoindre le bureau politique. Hein. Après, oui, et... mais Heidel l'a, la oui, là. Ça compte, euh, convaincu. Il, il lui a dit qu'il ne faut pas laisser Bambala tout seul avec Boumétien. Merci beaucoup, Siamar, pour euh, ce, cet échange très riche. On aura l'occasion d'aborder en profondeur, hein, en une heure c'est compliqué, euh, tous ces aspects-là avec un grand un plaisir, un plaisir renouvelé et très bon voyage. pour bon l'autoroute. Au Merci. <laughs> Merci. Merci. Achalama. Au revoir. Au ça. cest euh, justement, on a parlé de l'émergence euh, du peuple comme un acteur comment il a été perçu par les appareils, par les individus, par les ambitions de chacun, dans des jeux d'alliance qui a été un peu explicité par quelques exemples. Mais fondamentalement, est-ce que finalement les élites révolutionnaires qui ont sacrifié beaucoup pour l'indépendance n'ont pas considéré qu'un système politique devait se construire en dehors de finalement leur schéma de pouvoir. Et c'est finalement ça qui a été aussi euh, peut-être une des conséquences de 1960. Le peuple s'est exprimé très fortement, a soutenu, comme vous l'avez très bien décrit, euh, une, euh, une révolution, a soutenu euh, une direction qui commençait, comme vous dites, à être démoralisé par la situation, par la réalité du terrain, par la difficulté de, de cette révolution et de la lutte pour l'indépendance. Et vous avez aussi, vous l'avez bien souligné, l'émergence du peuple à un moment où justement on voyait, bon, certes, Amara parlait d'wilaisme, mais de, du ferment, de construction d'un État de l'indépendance et, et, et du conflit qui a encore eu à l'indépendance entre euh, justement le bureau politique du FLN dirigé à l'époque par Ben Bella et euh, l'autre voie qui était autour euh, du groupe de Tizi Wizou avec euh, le GPRA. Euh, Souvenons-nous que Klimbal Kassam avait ordonné l'assassinat euh, de Boumediene après dem avoir demandé à Ben Bella sa destitution. Euh, euh, je... L'arrestation. Il voulait l'arrestation de certains tous disent, les membres de l'état-major. Certains disent l'assassinat. D'ailleurs, il aurait été caché à Casablanca par son, son grand ami. Quand euh, Boussouf était chargé de l'assassinat, paraît-il. Hein. Mais bon, voilà. Il ne pouvait pas aller jusque-là, Boussouf. Bon. Enfin bon, je... je, je, je voilà, C'est un, un peu des conflits qu'il y a eu à cette période-là. Et que, euh, euh, voilà, les, le peuple a encore dit, à ce moment-là, en 62, en été 62, une Barraquette et trouver une solution politique, et c'est ce qui a amené aussi la solution politique de l'Assemblée constituante nationale de septembre 1962. Donc voilà, comment, comment vous voyez justement cette conséquence de l'émergence d'un acteur qui, tout naturellement était à la base de la révolution puisque tout le monde est sorti du peuple mais que finalement euh, les formes d'organisation politique ont fait que les euh, satellites révolutionnaires s'est abstrait de la volonté du peuple à un moment donné. Ben, ce qu'il y a eu c'est qu'il y avait une véritable une unité du peuple des différentes tendances du mouvement nationaliste euh, le ciment c'était l'anticolonialisme le colonialisme a multiplié le cynisme, les blocages, ce qui fait que même les Algériens les plus attirés par une promotion au sein du système français, euh, non, ils avaient un lien d'une manière ou d'une autre euh, avec la Révolution. Mais après, le, on a commencé à voir les conséquences euh, d'une insuffisante réflexion sur l'après-indépendance. Il y a très, très peu de gens qui, euh, chaque fois qu'on posait la question, ils disent euh, on verra après. De, la priorité, c'est de, de chasser le colonialisme, etc. Et alors, à ce moment-là, on, on a des, euh, une, euh, un différentiel de, de connaissances politiques. Or, était euh, était le plus politisé parmi... Euh, parmi les chefs de Oulaya, parce qu'il n'a jamais été au Maquis. Les gens qui l'ont connu, Abdelhamid Baremi, a eu le privilège de rentrer dans sa chambre à où il trouve sur sa table de chevet les livres de Nietzsche, de Franz Fanon et de Machiavel. Boumediene a dit à Absi, qui s'appelait Célarbil, qui est mort pas loin d'ici quand il était à, au, au comité central, en sortant d'une réunion en arabe, il lui a dit « l'amir, l'amir, c'est l'arbi ». Il lui a recommandé de lire Machiavel. De Machiavel. Oui. Donc Boumediene était le plus politisé et, et c'était un autodidacte politique. Alors, dans sa conception d'un système politique de l'Algérie indépendante et, et, et malgré lui inconsciemment il était euh, c'est le système nasserien qu'il euh, qui a vécu lui, quand il était à l'Azad et, et donc il a mis en place un système qui ressemblait comme deux gouttes d'eau, d'abord le rôle de la Moukhabarat le, et puis de, un discours nationaliste plus ou moins renouvelé et, euh, et puis une méfiance, une méfiance de tous les, les anciens de la politique. Il en avait d'abord une jalousie, parce que les gens qui ont pratiqué la politique à l'Assemblée algérienne ou au Parlement français, ou même des gens comme Dahleb, c'est pas pour rien que Farhat Abbas l'a désigné comme le numéro un de la diplomatie. Or, Boumedienne, autodidacte, qui n'a pas de... D'ailleurs, lui-même, dans son entretien avec Francis Johnson, il ironisait, il a dit, oui, mais ceux qui ont déclenché la révolution, on n'a jamais su s'ils étaient 6 ou 9 ou 22. Il faisait l'ignorant comme celui qui ne savait pas. Mais il, il avait une jalousie parce qu'il n'avait pas de légitimité, ni historique, ni révolutionnaire. Et, et donc, il, il a fait le vide autour de lui. Et il s'est entouré de, de gens euh, euh, qui voulaient s'assurer qu'il reste dévoué. On, on, on connaît une... Parce que le, malgré le, la disgrâce de Cheikh euh, vous me dites garder une estime pour lui. Et au moment du débat sur la charte de 76, euh, Cheikh était chez lui. Euh, pas en résidence surveillée, mais en disgrâce, c'est Boumediene qui l'appelle. Il lui a dit, euh, tu, comment tu vas rester enfermé On fait des réunions dans les stades, on donne la parole, au peuple. Et il lui a dit, viens avec moi à Drar. Parce qu'ils ont fait... Et avant le départ à Drar, il le reçoit à la présidence. Et Boumediene commence à compter sur ses doigts. -à -dire, il commence par regretter l'effritement du groupe Douzda. Et il lui a dit euh, si le Hussein est mort, c'est euh, madari. Taïd Ahmed est en train de nous injurier de l'étranger. Euh, Taïb el ministre de l'Agriculture, mais il est contre la réforme agraire. <laughs> Et toi, tu es enfermé chez toi. Euh, Bouteflika euh, on fait qu'à sa tête, etc. Et il s'est tué c'est un proverbe. Et là, il a éclaté derrière C'est un fait, il a fait le vide autour de lui. Parce qu'à un moment, il s'est aperçu que le groupe Dujan ne suffit pas à gouverner l'Algérie. C'est pour ça qu'il a fait appel à Taleb, par exemple, qui, qui, qui était le, faisait l'objet de jalousie, d'intrigues, de, de, ben, le, les gens, le, la garde rapprochée du groupe d'Usulaine n'admettaient pas que Boumediene est un homme de confiance comme Taleb, qui, qui vient de la Fédération de France, des Rulamas et tout. Et, et donc Boumediene a été un rassembleur. Dans une certaine mesure, il a fait euh, émerger d'autres compétences, mais sur le plan politique, il voulait rester maître à bord. Même si euh, on dit qu'il avait des... Plus que des velléités de réformer le système-là, juste avant sa mort, parce qu'il y a des rapports de, qui étaient préparés, mais euh, il avait une relation très particulière au pouvoir. Euh, Fanon aurait dit qu'il a une relation pathologique au pouvoir, et Fanon parlait en connaissance de cause. Euh, il a peut-être comme euh, circonstance atténuante le fait qu'il a constaté, lui et a été amené par Bossot en 1957 au, au Sénérat de, du Caire. C'est l'un des rares adjoints euh, des chefs de Wilayen qui a été amené là-bas. Ça a eu comme conséquence une méfiance totale de tous les gens qu'il qui avait vus au Caire euh, vraiment intimidés par Bossot. Deuxièmement, il a vu les difficultés d'aboutir à un consensus. Il y avait des palabres. Parce que c'est des gens qui viennent d'horizons divers, qui en 1957 n'avaient pas encore l'habitude de travailler ensemble. Ils ont progressé euh, sous l'effet de la pression extérieure de l'armée française. Euh, et ils considéraient qu'on ne pouvait pas attendre qu'il y ait une unité de pensée pour euh, avancer. Et, et donc, il, il, il assumait un, une part d'autoritarisme chez lui en considérant que la classe politique n'est pas encore homogène, n'est pas encore habituée à, à débattre démocratiquement pour euh, prendre des décisions dans l'État. On peut lui chercher cette circonstance atténuante, mais, mais il reste que ce n'était pas un démocrate. Vous me dites. Il avait des qualités d'homme d'État, il, il était contre la corruption, il n'y avait pas de népotisme, il a combattu le régionalisme en, en obligeant les ministres à aller se réunir à Medea, à TBSA. Il, a beaucoup de, il voulait vraiment un une État-nation moderne, mais bon, il y a la, le principe de réalité. Il y a la société algérienne qui continue à évoluer selon l'héritage colonial, un héritage français, dans les familles les plus reculées en Algérie. Donc, les Algériens voulaient vivre un peu comme les Français qu'ils ont vus, Or, le système de production algérien ne permettait pas. Non, on n'a pas réussi à avoir un système productif qui, qui aurait justifié de continuer une redistribution et, euh, au nom d'une euh, justice sociale dont il avait la soif. modienne avait une soif de justice sociale qui, qui devenait anti-économique. Si, quand on accorde la priorité qu'à la, à la répartition, et s'il n'y a rien à répartir, euh, ben c'est l'impasse. Donc, vous me dites, il était le reflet d'une. la mentalité d'une génération de, qui ont le, le même parcours que lui, étudiant, parti en Orient, qui rejoint la Hélène très tôt, c'est son mérite, mais qui a vu. Euh, euh, à mon avis, euh, je vais citer un autre cas, c'est Malik ben Nabi qui va au Caire en mai 1956. Et euh, il rencontre Bimbella. on lui a présenté une fiche. Euh, ben, euh, a étudié à l'école centrale d'électronique, qu'on appelait l'école TSF de Paris, et puis une école d'électricité. Bimbella a dit euh, il faut l'envoyer envoyer chez Bosso pour les transmissions. Et, et le type qui connaissait Benabi ben de Tébessa, qui était dans le cabinet de il lui a dit non, il vient vous. Il vous apporte un projet pour l'après-indépendance. Vous pensez au qui ben, ben Abi et Harvi, je crois que c'est les deux qui ont eu le mérite de penser à l'après-indépendance, mais de, de manière totalement différente. Euh, c'est son problème avec les, les appareils de l'époque, c'est qu'il il avait une réflexion sur ce que sera la société algérienne et l'état algérien, d'où ces conflits avec tous les autres bureaucrates. et ben avait ce projet là. et je pense qu'on a eu une, une vie politique postcoloniale tumultueuse euh, à cause de ce déficit de réflexion euh, sur. Euh, on avait des gens qui se sont affirmés contre le colonialisme. Eh bien, la grande différence entre Fanon et Ben Abi, euh, Ben -Nabi a dit, euh, Fanon a, a sacralisé la violence, la violence nous a été imposée par le colonialisme. Mais il faut une toute autre culture pour bâtir un, un état de droit, une société euh, harmonieuse. Il faut autre chose que la culture de la violence. Et à mon avis, on peut remédier à ça par... Euh, on a toutes sortes d'élites de technocrates de très haut niveau, des de, de spécialistes, mais qui, qui sont des nains politiquement. Vous savez, beaucoup de, de gens qui ont été euh, euh, aux affaires, mais politiquement... Euh, et ça, c'est... On, on a le, le système algérien qui a produit de très bons euh, technocrates, mais qui obéissent à des pouvoirs anonymes, des gens qui ont besoin de scribes, des gens qui ont, qui leur lisent les tableaux du Fonds monétaire, et de la Banque mondiale, mais ils donnent des ordres qui ne sont pas en rapport avec la, la description de la réalité. Et on a des technocrates. Par exemple, on a une catégorie de premiers ministres technocrates qui n'ont jamais été des décideurs et qui se posent des questions. Mais maintenant. Non, je, je, justement, pour, <laughs> pour, pour terminer, parce que je pense qu'on peut encore, encore, encore continuer des heures sur... Ce qu'ont été justement les conséquences de décembre 1960. Et moi, je poserais une question est-ce que finalement euh, le février euh, 2019 n'est pas quelque part ce retour du peuple, comme pour affirmer euh, finalement que un système euh, politique ou dame hein, on l'appelait dame pendant la guerre, euh, bah, manifestait quelques difficultés et que euh, ce dame ne pouvait plus, euh, d'une manière euh, je dirais, autonome, euh, prévoir l'avenir de l'Algérie et que le peuple devait donner son avis et dire à l'époque, en 2019, non au cinquième mandat. Euh, alors, est-ce que finalement, l'émergence du peuple est finalement ce que vous avez très très bien décrit, euh, c'est-à-dire cette, euh, quelque part, manque de réflexion de ce que pourrait être l'après-NEDAM existant, c'est-à-dire, à, à l'époque, on voulait l'indépendance, on voulait en finir avec le colonialisme mais on n'a pas suffisamment pensé l'avenir euh, de ce que pourrait être le remplacement du colonialisme nous voyons aussi dans le Hirak hein, euh, des acteurs qui disent mais non il faut d'abord la chute du régime et puis on verra après on verra après <laughs> ce qui va pouvoir se passer donc on revoit aussi cette faiblesse politique aujourd'hui encore dans la société algérienne qui n'arrive pas à concevoir que comme certains appellent les palabres c'est un processus de construction de débat nécessaire pour construire des alors peut-être pas un consensus mais des compromis politiques pour permettre justement d'engager un système de gouvernance qui soit le plus démocratique et quand on dit démocratique c'est pas par idéologie c'est pour dire pour que la participation du peuple soit effective dans les décisions dans l'élaboration des décisions dans l'analyse de la situation et dans l'apport des solutions. Donc voilà comment vous voyez à ce moment-là le parallèle entre décembre 1960 et ce qui a été une autre émergence du peuple, et finalement des ressorts euh, qui font que cette question de souveraineté, d'autoritarisme, vous avez parlé du moukhabarat, d'un système très autoritaire, d'un présidentialisme à la boumédienne, nous revoyons un peu des. des, des... Des, 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 petits, voilà, des, des petits rappels mmh. en tout cas certains se donnent un peu cette, cette, cette image là pour pouvoir justement mmh. se présenter comme des érimes avec un, un état extrêmement autoritaire et extrêmement sécuritaire bon c'est vrai que le, le précédent qui permet la comparaison avec le Hérac c'est le décembre 60 cette sortie tout à fait inattendue du peuple et mais le, 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 le Héraclès de 2019, et, il avait comme objectif immédiat l'opposition au cinquième mandat. Et donc ça a ouvert les, les discussions entre les, les gens qui demandaient une transition à durée indéterminée et les gens qui voulaient une, une solution constitutionnelle. C'est-à-dire. Et, et là, moi, je reviens pas sur. Il y avait un côté très euh, désordonné des clivages de l'époque, désigner Gaït-Salah comme tête de Turc euh, et refuser l'élection uniquement parce qu'elle était le, la préférence de Gaït-Salah. Mais d'un autre côté, les, ceux qui, euh, ceux qui euh, appelaient à la, à la transition, ce sont les janvieristes de 92. Oh, Gaït Salah a eu un début de soutien de la part des gens qui sont éloignés de tous ces, euh, ces côtés un peu combinards. Euh, Gaït Salah a été crédité comme euh, une volonté de quelqu'un qui allait fermer la parenthèse ouverte euh, par les janvieristes. Je ne sais pas si. Lui était chef de région à l'époque, je ne sais pas où. Parait il n'était pas très chaud pour l'interruption des élections. Mais comme bon, tout, tout bon militaire algérien, euh, c'est la ligne à ne pas franchir pour éviter la cassure de l'armée. L'armée aussi est une boîte noire. L'armée n'est pas aussi homogène qu'on le dit. Mais ils ont quand même la ligne jaune à ne pas traverser. Il faut éviter la cassure. Et, euh, bon. Mais il reste que le, le Hérak après. Moi, je, je, je ça par les, les portraits que, que, que portaient les Hirakistes. Ça va de l'émirat Abd hein, au Sherib Bashir Ibrahimi, à Malik Ben Nabi, à Messali. Donc c'est un, un désir de, de fidélité à tout ce, ce courant qui remonte à ce fleuve tranquille. Euh, donc on a parlé de 25 millions en une seule journée dans, dans, la, dans les rues. Donc c'est quelque chose de, qui ne peut pas être étouffé uniquement par par des ruses politiciennes, mais euh, quelqu'un a dit que le, le propre d'un homme d'État, c'est sa capacité à transformer une grande espérance en volonté politique et, et en action politique. Le ça ouais. a été une, une grande espérance co comparable à celle de 60 et de, 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 de la révolution, le mouvement national. Euh, maintenant, est-ce que euh, cette espérance euh, va se contenter du, du 12-12-2019 <laughs> D'ailleurs, on a une célébration… – Elle a refusé, pour une majorité. On – on, on prépare une célébration ostensible du 12-12. – On va euh, rappeler avant cette a célébration euh, ce qu'a été le 11 décembre 1960. <laughs> – Oui, euh, non mais une élection plus ou moins régulière, on ne sait pas… Euh, 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 qui, qui a régularisé la. Euh, juridiquement euh, Juridiquement, légalement, euh, au nom de la Constitution, veux, pourquoi pas, mais. Enfin, elle n'a pas été respectée, euh, malgré tout. <laughs> savez, moi, je vous répète ce que, ce que Boumedienne a dit à Ahmed Taleb euh, je vous ai dit qu'il faisait beaucoup de jaloux parce que euh, Boumedienne lui faisait des confidences qu'il ne faisait pas à d'autres. Alors, il y avait des secrétaires d'État, des ministres. Euh, il ne donnaient pas satisfaction, et puis les autres ministres demandaient leur euh, limongeage. Boumedienne a répondu il faut un délai de trois ans pour jurer, juger un responsable politique. Il faut le, attendre. Or, le 12-12, euh, on a les trois ans. <laughs> on a les trois ans on va commencer à parler librement, parce qu'on a un bilan. On a un, un bilan. Mais, Librement, je, je, je ne saurais, je ne saurais le dire peut-être ici dans Dimativi. Non, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué. Non, non, c librement, c'est-à-dire, euh, non, moi j'avais, euh, j'avais une réserve morale, c'est-à-dire, euh, je ne peux pas avoir un préjugé défavorable vis-à-vis -vis de quelqu'un que je ne connais pas, et surtout, quand je ne connais pas la force politique euh, qui est derrière lui. Mais si on a un trois ans de bilan, c'est suffisant pour porter un jugement. Croyez-vous hum. que, bon, là, on, 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 moi, je voulais rester un peu sur le Hérak, mais croyez-vous qu'aujourd'hui, on puisse faire le bilan d'un voilà, processus comme le Hérak, sachant qu'il a été contrarié peut-être par ses propres contradictions, mais aussi, moi je reviens toujours à 1960, cette grande espérance, cette grande euh, émergence de l'acteur principal qui est, qu qu est le peuple, a toujours ensuite été, euh, malheureusement, euh, euh, phagocyté par d'autres réalités politiques, parfois internationales, euh, puisque le GPRA a été dans une négociation avec la France, dans une négociation mondiale, et que finalement le Hirak en Algérie en 2019 est aussi euh, malheureusement aujourd'hui la victime euh, de euh, palabres et de situations politiques dures euh, qui font que euh, on n'a pas laissé le temps, des, je dirais des de ce que certains appelaient les palabres, c'est-à-dire la discussion qui permettrait euh, finalement à l'émergence d'un véritable système politique qui donne au peuple sa véritable souveraineté. Et, et, et voilà, on, on conclura là-dessus. Vous savez, le proverbe chinois dit on peut dormir dans le même lit et faire des rêves différents. Le, le Herac, c'était plusieurs rêves, tout, tout à fait euh, stimulants et tout, mais, euh, et, mais il avait quand même comme invariant. Il faut rester attaché à cette invariance, c'est Silmia. Il faut espérer qu'il reste euh, pacifique. Comme tout processus politique. Comme oui, comme tout processus oui, mais euh, s'il y a un blocage, s'il y a un cynisme du côté des gens qui, qui, qui euh, continuent à mépriser le peuple, il y aura une partie des gens qui renonceront à la Silmia. C'est inévitable. Je pense que les leçons des, des années 90 sont très ancrées chez les Algériens et, et les gens sont... Très très attaché à cette Sylvia comme processus de changement politique, mais bon, je pense qu'on ouvre un, un très grand oui. bon débat. Les gens se sont sacrifiés en 1960, ont donné leur vie pour pouvoir avoir l'indépendance. Le combat politique continue euh, avec justement des réalités politiques et des moyens d'action politique. On aura l'occasion un peu d'en de, parler dans d'autres occasions. Peut-être un dernier mot sur 1960. Ben 1960, j'ai dit au début que ça mérite un livre. Seulement, ouais. <laughs> c'est très dense. Euh, mais ça reste une, une référence, à mon avis, une des dates qu'il faut célébrer le plus ostensiblement possible pour, pour d'abord euh, l'interpréter correctement à la lumière de, des révélations. Donc, on a besoin de des études historiques là, que Mohamed Amar souhaitait, et je le souhaite avec lui, euh, on, on a un problème dans la sélection des dates à célébrer, à commencer par celle du 5 juillet. <laughs> Il y a des. Le, 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 le 11 décembre devrait être célébré prioritairement, à mon avis, si on veut vraiment tenir compte de la volonté populaire. On devrait célébrer le, le 19 septembre la création du GPRA. C'est la résurrection de l'État algérien euh, qui faisait l'objet d'un négationnisme colonial. Il n'y a, a pas eu d'État algérien, il n'y a pas eu de nation algérienne. Et, et C'est quand même un État qui a été reconnu par euh, presque une quarantaine des, des États qui ont promis de le reconnaître, c'était 40. Euh, les, ceux qui ont reconnu, euh, ça a atteint la trentaine. Et nous, nous célébrons... La reconnaissance de l'indépendance la par l'adversaire. Nous célébrons le 5 juillet parce que De Gaulle a envoyé un message pour dire ⁇ Je reconnais l'État algérien ⁇ Et donc dans le, la liste des célébrations, à mon avis, il faut accorder une, la place qu'elle mérite à, à cette date euh, éminemment historique du, du 11 décembre. Heureusement qu'on n'a plus le 19 juin. Ah, <laughs> ça. Et, et, oui, et, et mais heureusement euh... que le projet de. de mais août, on a ça. eu une date d'août, je crois. Hein, c'est mais... ça, le 8, le 8 août ou le 2 août pour l'union entre l'Armée des Frontières et la l'ALF. Mais ça, c'est l'écrasement le, 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 des de Wilayas par l'Armée des Frontières. Ah. Ça aussi, c'est. Ce n'est pas la date la plus prioritaire voilà, à mais... célébrer. Oui, <laughs> Comme disait l'Armée. <laughs> Le peuple, la nation. C'est le slogan de certains. Nous disons le peuple. Non, l'armée. La euh, et l'armée au service de tout le la... Bon, On a parlé des personnages hein, qu'il faut faire connaître. À mon avis, il y a une priorité pour faire connaître quelqu'un comme Abdelhamid Mahdi, À cause de son parcours dans le mouvement national, le mouvement étudiant à la Zitouna, au sein du GPRA. Enfin, Abbas a envoyé tous les émissaires de, de Gaulle chez Marie au okay. Caire. Et, et, et Marie, il est, il est classé centraliste parce qu'il a fait partie du comité central, mais il avait la confiance de Bousso. Bousso lui faisait des confidences qu'il ne faisait même pas à créer. Donc il a joué un rôle, c'est dommage qu'il qu n'y ait pas eu de journaliste ou d'historiens qui enregistraient des entretiens avec lui, et surtout... Le, le rôle qu'il a joué euh, à la tête du FLN. Il voulait faire du FLN un vrai parti démocratique qui accepterait l'alternance. Il voulait couper le cordon ombilical qui reliait le FLN au pouvoir. Or, lui, il a dit euh, euh, on a des gens illégitimes qui voulaient masquer leur euh, illégitimité en faisant appel à Boudiaf. On sait comment ça s'est terminé. Et maintenant, on a un président qui a le sentiment d'être mal élu. Il veut combler ce déficit de légitimité en s'appuyant sur la légitimité historique du FLN. Et ce président a dit c'est ou Marie ou moi. D'où ce qu'on appelait le coup d'État, qui, qui est une pratique indigne. Euh, on, a, on, a voulu, on a pensé à la liquidation physique de Marie. On ouvre, on ouvre beaucoup de débats. Non, et non, je termine là-dessus, parce oui. que de, des de, de gens qui ont eu le courage de faire les vidéos sur mari après, on a, parce qu'on a distribué les armes aux Patriotes, ils ont dit le 19 mars, on va investir le siège du FLN et chasser Marie-Manu Militari. Après, on a soudoyé 113 membres du comité central, à qui on a donné une retraite de député sans jamais avoir été élu, mais à vie. Absolument. Donc, c'est ce système-là qu'il faut. Hein, Absolument. Et, et qu'il faut changer. La, la, la légitimité révolutionnaire que, révolutionnaire que porte le FLN, sachant que le FLN était le parti de l'indépendance, mais pas nécessairement le parti de la construction de l'État moderne. Donc, c'est un large débat qu'on ouvre. À euh, mon avis, là, il n'y a pas de démocratie sans culture démocratique. Ouais. Et celui qui est, vraiment, qui, qui est passé par toutes les étapes, qui avait une vraie culture démocratique, c'est Marie, qu'il faut célébrer. Faut trouver le moyen de on aura d en d en parler, parler le plus souvent possible. Avec, avec grand grand plaisir. Merci beaucoup, C'est Sissadreslem pour moi qui vous cet échange. Et j'espère que nos téléspectateurs auront pu avoir des regards nouveaux sur ce qu'a été l'importance du 11 décembre 1960. Et on remercie encore à Mohamed Dahmer. Il y aura d'autres émissions qui vont consacrer essayer d'analyser ce qu'a été des événements majeurs de l'histoire de l'Algérie. Et euh, à très très bientôt. Merci. Merci.